disposé à accompagner les jeunes ambitieux porteurs de projets, l'incubateur de Tchats Innovation ouvre ainsi ses portes. Déjà, il expose les objets d'art, fruits de leur génie créateur au public. Objets fabriqués à partir de matériel recyclé et la réalisation de portraits expressifs qui traduisent la culture de tout un peuple. C'est un véritable instrument de développement, précise le directeur adjoint de l'organisation. L'une de nos missions est de s'accompagner et de s'entraider mutuellement. C'est l'esprit de Tchat Innovation. Il est aussi important de retenir que Tchat Innovation Hub planifie d'intervenir régulièrement dans les universités, les écoles et les lycées à travers des formations et des ateliers pour sensibiliser la jeunesse sur l'importance du développement du secteur privé dans notre économie. Les représentations diplomatiques qui ont suivi de bout en bout cette communauté de jeunes dans leurs actions soutiennent que ces jeunes incarnent l'image d'un Tchad prospère. C'est un début très important pour l'avenir de vous personnellement, mais aussi pour l'avenir de ce pays. Le ministre du Commerce qui inaugure l'incubateur de Tchad Innovation Hub est impressionné par cette jeunesse audacieuse. Ce que vous faites est porteur de la jeunesse, c'est-à-dire à commencer à réveiller. Quand je me suis assis, j'ai tabouré, je ne savais pas que c'était un vinyle. Et après, on a dit c'est un vinyle. Ça démontre que l'ingéniosité de Toumaï, qui est ensevelie depuis 2 milliards, c'est qu'on va se réveiller. Et félicitations, vous l'avez fait réveiller. Nous pensons et nous vous exhortons à faire davantage. Cette communauté de jeunes qui osent et qui a de l'audace est un bel exemple d'entrepreneuriat.